hours spent looking for answers, turning the pages through all your chapters, hoping to find your place. Somewhere so bright, someone to love you, somewhere to run, you can't escape to, and know that you are safe. Yeah, you have found your place. Bonjour Sandy, comment va-t-on? Bonjour Marie. Il va très bien, merci. Vous envisagez un voyage à Bali? Disons simplement qu'on en rêve. Eh bien, allez-y plutôt au printemps, avant le début de la haute saison. Il y a moins de monde et le temps est splendide. Ouah, vous y êtes allée? Non, mais j'ai lu ce livre d'un bout à l'autre, alors c'est comme si j'y étais allée. Et pendant que vous êtes dans le coin, vous savez, l'Australie n'est pas si loin que ça et c'est absolument magnifique. Vous pourriez passer par là? Vous êtes allée en Australie? Non, mais c'est aussi un bon livre. D'accord, eh bien, c'est bon à savoir. Et si vous avez besoin de quoi ce soir? Je peux compter sur vous, merci. Oh! Hé, je viens tout juste de me le servir, tu exagères. Tu te rappelles ce que maman et papa nous ont appris au sujet du partage? Attends une seconde, tu devais pas aller à ton groupe d'études? J'y étais, on a révisé à fond, pendant les tirs à trois points. Des tirs? Au basketball. Tyler, c'est fantastique que tu fasses une école de commerce. Sincèrement, cela dit, tu dois prendre ça au sérieux. Je sais, je suis sérieux. D'accord, mais dribbler des tirs à trois points, ça ne ressemble pas. Dribbler des tirs, waouh, t'es vraiment une dingue de sport, toi. T'as vérifié le bilan de fin d'année? Ouais, il est pas si mal. Pas si mal. La première chose qu'on t'apprend à l'école de commerce, c'est que les chiffres en rouge ne sont pas bons. Ça finira par s'arranger. T'en as parlé avec les parents? Non. Et tu ne leur diras rien non plus, parce que la librairie est à nous, ils sont à la retraite, et ces trucs en rouge, c'est notre problème maintenant. Alors il faut vraiment qu'on envisage de moderniser la boutique. Nous avons une page internet, et aussi une page Facebook. Alors on est compétitif avec environ 10 ans de retard. Tyler, la même page a réussi à tenir le coup depuis pratiquement 40 ans, parce que nous sommes restés traditionnels. C'est une boutique accueillante où les gens peuvent trouver un bon bouquin et avoir une conversation avec un autre être humain. Si jamais il y a un second être humain dans la boutique. Écoute. Nous tenons une librairie, ce n'est pas une sorte de cyber-salle de jeux numériques virtuels sur le web ou je sais pas quoi d'autre encore. T'as aucune idée de ce que tu racontes, hein? Non, tu as raison. Si cette librairie et ses fondateurs ont réussi à survivre pendant plus de 40 ans, c'est que les parents, comme nous aujourd'hui, y ont cru sincèrement. Nous devons rester qui nous sommes. Alors pourquoi tu vas voir Janet Dunleavy? Parce que nous avons été à la fac ensemble. Et qu'elle dirige une grosse agence de relations publiques. Elle m'a proposé son aide pour la fête du 40e anniversaire. Waouh, ça doit vraiment être une grosse pointure si tu te déplaces jusqu'au centre-ville. C'est vrai? C'est toute une aventure pour toi. C'est ça ta façon de prendre les choses plus sérieusement? C'est pas vrai. Qu'est-ce qu'il a fait encore? Qui a fait quoi? Adam Claiborne. Qui donc? C'est un joueur de hockey des Royals de Denver. Il s'en est pris à un arbitre hier soir et il a été viré du match. Le hockey, c'est le truc où on lance une espèce de ballon ovale à l'autre bout du terrain? Des fois, j'ai du mal à savoir si t'es sérieuse ou non. Je me fiche d'apprendre qu'un gars en chaussures à crampons des a patins. Été exclu. Des patins. Le hockey se joue sur des patins. Je connais le hockey. Vraiment? Va-t'en maintenant. Bonjour, Graham. On peut jouer au monstre? Oui, bien sûr. Ouais. Allez, grand garçon, viens t'habiller. On va laisser oncle Adam dormir encore un peu. Tu sais qu'on a une chambre d'amis? Qu'est-ce que tu veux? J'aime les canapés. Ça, c'est sûr. Allez, viens. J'ai pas besoin d'aide pour monter. Regarde. C'est un peu tôt pour le monstre, non? Il est jamais trop tôt pour s'amuser avec un enfant de 4 ans. Surtout si on a 4 ans d'âge mental. Par contre, il est un peu tôt pour un sermon. T'aurais peut-être dû dormir chez toi plutôt que sur mon canapé. La presse campe devant mon appart en ville. Je sentais pas trop ce coup-là. Ouais, je sais. Erika n'arrête pas de t'appeler et quand tu ne réponds pas, c'est moi qui l'appelle. Encore et encore et encore. Tu lui as dit que j'étais ici? Non, mais je suis sûr qu'elle le sait. Elle a des super pouvoirs, un truc comme ça. Check, elle est présidente d'une équipe de hockey, c'est pas une sorcière. Et elle est aussi vraiment fâchée contre toi. Erika est toujours fâchée contre moi. Ouais, parce que tu crées toujours des problèmes et que ça nous coûte des matchs. Non,
C'est parce que nous étions ensemble il y a des années qu'elle ne supporte toujours pas le fait que je l'ai quittée. Ouais, moi je crois que c'est plutôt parce qu'on perd des matchs. Adam, t'as été expulsé 3 fois cette saison. Qu'est-ce qui t'est arrivé ? Eh oh ! Quand on jouait ensemble au Texas, c'était nous les sauvages de l'équipe. Depuis, j'ai été transféré à Denver, je me suis marié avec Sarah et j'ai eu un enfant. J'ai grandi. Tu devrais essayer ? Quoi ? Et renoncer à m'émerveiller comme un enfant ? La banlieue, c'est vraiment trop tranquille. Pourquoi tu reviens pas vivre en ville ? Parce que je suis heureux. Peut-être que tu devrais essayer ça aussi. C'est moi qui ai convaincu Erika de te prendre ici parce que je lui ai garanti que ton comportement avait changé. C'est à cause de ça que tu as été viré de l'équipe du Texas, de Seattle et du New Jersey. Le New Jersey, c'était pas ma faute. C'est l'autre qui a commencé. Avec toi, c'est toujours le gars d'en face. Et si Erika te vire de l'équipe ? Mais non, Erika va pas me virer. Bon alors, réponds au téléphone. Je le ferai, quand j'aurai pris l'air. Et un café. Bien. Je peux vous aider ? Un café, noir. Nous n'avons pas de café. Oh, mais celui-là, c'est le mien. Je prendrai ce que vous avez. Mais pas les trucs avec des saveurs bizarres. Si je voulais vraiment des noisettes dans mon café, j'irais là où on trouve des noisettes. Ah, voilà qui est intéressant. Vous savez, on a d'abord cru qu'elle venait de Damas, mais maintenant, tout semble indiquer qu'on les trouvait en Écosse il y a environ 9000 ans. Je peux juste avoir mon café ? Nous n'avons pas de café. Ça va, j'ai compris. Il faut d'abord que j'achète un livre pour avoir un café. Non, vous devez acheter un livre parce que vous êtes dans une librairie. Bon, je vois. Voilà. Tout sur le patchwork. Ça vous pose un problème ? Non. Ça vous fera 19,95. Clipboard viré, altercation avec un arbitre. Je peux avoir mon café ? Nous n'avons pas de café. C'est une librairie, toutes les librairies ont du café. Non, pas toutes, il n'y en a pas ici. Alors pourquoi j'ai acheté ce bouquin ? Vous aimez les travaux manuels ? J'ai besoin d'un café. Nous y voilà, retour à la case départ. Oh, rendez-moi mon argent. Désolée. Vous n'acceptez pas les retours ? Beaucoup de gens lisent les livres, les rapportent et demandent à être remboursés. Mais je viens de l'acheter il y a 30 secondes. C'est la politique de la maison, pas d'exception. D'accord. Attendez. Ah, génial. Vous voulez que je vous dise ? Laissez tomber, je vais réussir à me trouver une vraie librairie. Monsieur ? Vous n'oubliez pas quelque chose ? Quel arrogant ! Quel coincé ! Et puis d'abord... Bien, alors je crois que tout le monde nous connaît, mais pour mémoire, je suis Tyler, voici ma sœur Marie, et nous sommes ici pour animer ce club de lecture. Et de quoi nous allons parler aujourd'hui ? De Gatsby le Magnifique, de F. Scott Fitzgerald. C'est un de mes romans préférés. Tu dis ça toutes les semaines. Comment veux-tu que je choisisse ? Il y a trop de bons livres. Je veux dire... C'est vrai, ça. Le monde entier est ici. Parfait, et si on commençait ? La première fois que j'ai lu Gatsby, j'ai été frappé par le symbolisme des couleurs employées par Fitzgerald. En fait, il nous parle de sa façon particulière de décrire les couleurs qu'il utilise. Mmh. On peut prendre ça comme un point de départ. Je ne remercierai jamais assez d'avoir accepté de m'aider. Arrête. Tu m'as aidé à finir mes études en beauté, alors je te dois beaucoup plus que quelques conseils de marketing gratuits. Paris,
J'ai toujours rêvé d'y aller. Tu disais toujours que tu irais dans tous les endroits que la littérature t'avait fait découvrir. Ouais. Lesquels tu as éliminé de ta liste? Eh ben, tu sais, j'ai fait quelques voyages après l'université, mais ensuite j'étais tellement occupée à aider mes parents au magasin que pour finir... Et maintenant, c'est toi qui le dirige. C'est génial. Eh ben, c'est pas grand-chose, mais... Mais c'est pour ça que t'es venue me voir. Alors, voyons les idées. Mon équipe a fait quelques recherches, et pour commencer, je pense qu'il faudrait que ta librairie soit plus en phase avec les attentes du public. Ça fait 40 ans que nous sommes là, alors on fait partie des meubles. Bien sûr, mais de nos jours, il ne s'agit pas que de longévité. Il faut entrer en contact avec les gens. Comment? Eh bien, tu pourrais sponsoriser l'équipe de hockey junior du quartier, ou faire plus de pubs auprès des entreprises locales. Oh, et pour le 40e anniversaire, tu dois organiser un grand événement. Une sorte de fête de la lecture, pour inviter tout le quartier à y participer. Toutes ces choses doivent coûter beaucoup d'argent. Tu sais ce qu'on dit, dépense un peu pour gagner beaucoup. Mais il faut avoir un peu d'argent devant soi pour pouvoir en dépenser. Ce que j'essaie de dire, c'est que nous aimerions faire ce genre de choses, mais... C'est si difficile. C'est très calme, mais les affaires vont prendre. Marie, personne ne prend rendez-vous avec moi quand tout va bien. On me consulte quand les choses sont cassées. Et je les répare. Et je peux faire ça pour toi. Comment? Eh bien, très franchement, je n'en ai aucune idée. Mais je suis convaincue que la bonne idée existe et lorsqu'elle se présentera, nous serons prêtes. On fait comme ça? D'accord. Génial. Tu ne sais plus comment on répond au téléphone? Erika... Oh non, 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 Adam. Là, c'est moi qui parle et toi qui écoutes. Comme quand on sortait ensemble. 10 matchs de suspension. Enfin, voyons. C'est la troisième fois que tu te fais virer de la glace cette saison. La dernière nous a coûté le match. L'arbitre a pas vu que Jack a été chargé contre la bande. C'est comme s'il était aveugle. C'est pas à toi de dire à l'arbitre ce qu'il n'a pas vu. Ton travail, c'est de ne pas faire de vagues et de gagner des matchs. Je suis désolé, d'accord? Non, Adam. Là, ça ne suffira pas. Le propriétaire de l'équipe... Et ton père. T'as qu'à lui parler. Je lui ai parlé. C'est lui qui m'a convaincu de te garder avec nous. Tu es sûr qu'il te reste pas un peu de... Tu sais, un peu d'animosité envers moi parce que j'ai rompu? Premièrement, c'est moi qui ai rompu. C'est pas vrai. Et deuxièmement, ça s'est passé il y a 5 ans et je peux te garantir que je m'en suis remise. D'accord, je vois. Mais alors de quoi t'aurais dû te remettre si c'est toi qui as rompu la première? Attends. Ça me plaît pas d'être la fille qui s'énerve pour rien, vraiment pas, mais tu provoques ça en moi. En fait, tu veux que je te dise? À partir de maintenant... Je vais ajouter un match de suspension de plus sur ta liste à chaque fois que tu dis un truc qui m'énerve. J'imagine qu'en 10 minutes, tu seras suspendu pour le reste de la saison. D'accord. Dis-moi juste ce que je dois faire pour arranger ça. C'est bien que tu le demandes. Appelle notre chargée de relations publiques. Pendant ta suspension, tu vas travailler avec elle à redorer ton image. Mais elle va très bien, mon image. Ça fait 11 matchs. Pourquoi? Adam. Nous nous efforçons de garder une image positive dans la presse et pour nos fans. Voilà notre image. Et ça, c'est la tienne. D'accord. D'accord, je vais appeler Janet Dunleavy dès demain. Aujourd'hui. Et je t'en prie, écoute ce qu'elle propose. Ne va pas la contredire et penser que tes idées sont meilleures que les siennes. Pour faire court, ne sois pas toi. Compris. Mais encore une petite chose. C'est moi qui ai rompu. 12 matchs de suspension. Ça les vaut totalement. Alors, vous pensez à partir en croisière cet été? Eh bien... Oui, ta mère est en train d'y penser. Et moi, je me pose la question de savoir si je dois y penser. Chérie, nous sommes à la retraite maintenant. C'est exactement le genre d'aventure que nous devrions tenter. D'aventure? C'est une belle croisière dans les mers du Sud. Il s'agit de buffets à volonté, pas de se battre à main nue contre des crocodiles dans l'Amazone. Je pense simplement que nous devrions profiter du fait que nous n'avons plus à nous faire de soucis pour le magasin. Marie et Tyler s'en sortent parfaitement bien. Bon, alors comment vont les affaires? Paul. Tout va bien, papa, ne t'inquiète pas. Et toi, Tyler, comment vont les études? Eh bien, j'ai un petit problème. Ah? Qu'est-ce que c'est? Il y a surtout un cours où ça ne va pas très bien.
C'est comme une sorte de bilan d'exercice qui serait perpétuellement dans le rouge. Alors qu'est-ce qui te laisse perplexe dans cette matière? Eh bien, j'ai lu tout ce qu'il y avait à lire. Je me suis obstiné, mais j'ai la sensation que je prends du retard. J'arrive pas à suivre. Et est-ce que t'as demandé de l'aide? Pas vraiment. Non, c'est faux. Tu as demandé des avis ici et là et tu n'as pas encore trouvé exactement ce qu'il fallait faire. Ouais, tu dois reprendre le dessus, mon grand. Ta mère a raison, Tyler. C'est vrai, si tu es allé chercher l'avis de personnes compétentes, autant écouter leurs conseils. Même si ça doit te faire sortir de ta zone de confort. Attends, comme partir en croisière, par exemple? Et voilà exactement la raison pour laquelle j'ai épousé votre mère. Oh, je boirais bien un peu de vin, s'il te plaît. Oui, moi aussi. J'ai l'impression d'attendre que le proviseur me mette en retenue. Ce n'est pas si mauvais que ça. C'est ce que j'ai essayé de dire à Erika. Ah, comprenez-moi bien, c'est mauvais. Mais nous pouvons améliorer la situation. Il faut trouver un moyen pour que le public vous aime. Le public m'aime. Oh non, pas vraiment. Mon équipe a fait un mini-sondage hier soir après l'appel d'Erika et les résultats n'étaient pas bons du tout. Les télévendeurs ont une cote de popularité meilleure que la vôtre. C'est perturbant. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'ils voudraient vous aimer. Ils adorent l'idée d'une deuxième chance et ils sont ouverts à la possibilité de vous en donner une. Comment? Une des stratégies que j'ai déjà utilisées consiste à monter une sorte de jumelage. Nous vous associons à une personne qui impose le respect, quelqu'un qui peut influencer les choses. Si j'en crois ce rapport, j'ai un score bien en dessous de zéro. Qui voudrait s'associer avec moi? Vous seriez surpris. Si nous vous impliquons dans des activités locales, ou peut-être un peu de bénévolat, c'est de la bonne publicité pour vous et votre partenaire. Vous avez pensé à quelqu'un? Pas encore, mais... Oh, désolée, un instant. Bonjour. Faites-la entrer. Marie. Oh, bonjour. Désolée d'arriver sans prévenir, mais je voulais juste t'assurer que je suis vraiment prête à faire tout ce qu'il faudra pour que ça fonctionne. Tant mieux, parce que j'ai un plan. Je vais associer ta campagne à celle d'un de mes clients et chacun va résoudre le problème de l'autre. C'est merveilleux. Qui? Marie Campbell, Adam Claiborne. Vous. Vous. Si nous commencions? Non. L'équipe de hockey paiera tous les frais. Comme ça, nous pourrons organiser un grand événement pour le 40e anniversaire de la librairie. Adam peut animer la soirée et dédicacer des maillots de l'équipe. Nous pouvons sponsoriser une équipe de hockey junior. Vous pouvez les entraîner avec des gamins tout mignons. C'est le genre de choses qui va augmenter votre cote de sympathie. C'est le retour garanti vers votre club. Voilà comment ça fonctionne. Nous prenons un joueur de hockey mal dégrossi pour le transformer en amateur de livres cultivé, capable d'aider les autres. Et c'est à toi que revient tout le mérite. Vous pouvez devenir le héros qui sauve une petite association de quartier bien connue. Vous serez notre Superman, et elle sera votre Lois Lane. Comme si tu étais le professeur Higgins dans My Fair Lady. C'est l'occasion rêvée pour réinventer ton commerce. D'ailleurs, si les choses vont aussi mal que tu le dis, tu as besoin d'un nouveau départ. Si tu veux sauver ta librairie, ça doit être un événement extraordinaire. Vous avez besoin d'une renaissance. C'est peut-être votre dernière chance pour sauver votre carrière. Pour améliorer votre image, faites-moi confiance. Ça, je le regrette déjà, ça va être une catastrophe. Essaye au moins. Bonjour à tous. Bonjour, Janet Dunleavy. Bonjour, je suis Tyler, le frère de Marie. Et vous êtes Adam Claiborne. Je suis un de vos plus grands fans. Ouais, je vois ça. La librairie. Le frère et la sœur, comme dans une série. C'était le rêve de maman, en fait. Ça pourrait être pire, vous auriez pu vous retrouver au fond de la mine. Si nous commencions, et d'abord, une excellente nouvelle. J'ai obtenu le permis pour organiser une fête de la lecture devant la librairie pour le 40e anniversaire, ce qui nous donnera l'occasion de toucher un grand nombre de personnes en une seule fois. C'est dans 4 semaines. 4 semaines? Est-ce que nous aurons le temps de tout préparer? Justement, nous sommes réunis pour lancer des idées. Il nous faut une idée maîtresse. Quelque chose de frappant. Qui commence?
Alors peut-être un camion-restaurant capable de servir du café. Et le patchwork, ça avance comment? C'est juste que j'ai jamais vu de librairie qui vendait pas de café. Vous en fréquentez beaucoup? Vous me connaissez pas? Vous lisez quoi en ce moment? Oh, une feuille de chou sportive? Ce n'est pas un livre. Bon, d'accord, si nous mettions ça de côté pour l'instant. Parlons plutôt de l'équipe de hockey junior que nous allons sponsoriser. Nous ferons venir un photographe qui prendra des photos d'Adam avec les enfants. Oh, il va entraîner des enfants? Eh, je suis bon avec les enfants. Oui, parce que vous en êtes un. Vous savez, je suis ici pour vous aider. Vous avez plus besoin de moi que moi de vous. Pardon? J'ai dit que vous avez plus... Oh, j'ai mal entendu, c'est vrai, vos clients font tellement de bruit. Je crois que ça se passe très bien. Mmh. Tu ne comprends pas, elle est impossible. Oh, impossible, c'est un mot que je comprends, Adam. Tu parles de moi? Non. Elle est pire. Elle croit qu'elle sait tout sur tout. Il faut toujours qu'elle ait raison. Alors, vous avez beaucoup de choses en commun? Pourquoi t'es ici? Pour te soutenir, moralement. Ça vous amuse, tout ça, hein? Oh, oui. Absolument. C'est une très mauvaise idée. Marie, c'est exactement le genre de coup de publicité dont la librairie a besoin. Ça va être fantastique. On peut toujours faire marche arrière. Je suis en train de poser les affiches. Tu n'as pas encore terminé. Il n'est pas trop tard. Désolé, pas de marche arrière. On commence bientôt? Oui, bientôt. Votre entraîneur devrait arriver d'un moment à l'autre. Adam Claiborne, c'est ça? C'est ça. C'est un dur. Mmh. C'est cool quand il s'en prend aux arbitres. Non, c'est pas cool du tout. Vous êtes en retard. Désolé, j'ai pas l'habitude des responsabilités. Des matins. Wow, c'est vraiment vous. Je suis le coach Adam. Comment tu t'appelles? Noah. Heureux de te rencontrer, Noah. Vous pourriez dire à Noah que de se disputer avec les arbitres, c'est pas cool? Absolument pas. Quoique... Qu'est-ce que vous faites? Eh ben je dis que parfois, quand un arbitre fait vraiment un mauvais choix, on peut pas rester assis et rien dire. Par exemple, il y a eu une fois à Albuquerque. Non, vous n'allez pas raconter à un garçon de 12 ans ce qui s'est passé à Albuquerque. Vous savez même pas ce qui s'est passé? Si vous y étiez mêlé, c'est sûrement pas bien du tout. Écoutez, pour des raisons qui dépassent mon entendement, ces enfants vous considèrent comme un modèle, alors soyez-en un bon. Répétez après moi. Problème, pas cool. Problème, pas cool. Il a raison. Alors, va le dire à tes amis et nous vous rejoignons dans une seconde, d'accord? Voilà. Ça va être un vrai désastre. Écoutez, peu importe ce que nous pensons l'un de l'autre, je crois que pour vous comme pour moi, le plus important, c'est l'équipe et qu'il profite au maximum de ce moment. Alors, si on faisait une trêve jusqu'après l'entraînement? D'accord. Bien. D'accord. Salut les enfants, tout le monde en place? Bien. C'est bien. Je suis Adam Claiborne et je vais être votre coach. Et je m'appelle Marie Campbell. C'est moi là, le sponsor de l'équipe. En fait, c'est notre boutique qui vous soutient. Ok, qui joue en quelle position? Vous ne devriez pas leur demander de se présenter? C'est ce que je viens de faire. Mais non, vous leur avez demandé ce qu'ils font dans l'équipe. Vous ne leur avez rien demandé de personnel, leur prénom, ou bien ce qui les intéresse, ou ce qu'ils veulent faire quand ils sont grands, ou le titre de leur livre préféré. J'aime commencer par là. Ce sont des joueurs de hockey. Oui, alors qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez les appeler par leur place de jeu? Leur place de jeu? Oui. Alors, ce délicieux jeune homme masqué serait le... Je vous en prie, faites-moi la liste de la position des joueurs dans une équipe de hockey. Le... but... gardien de but. Gardien de but. Qui est mon gardien? Oui, c'est toi. Te voilà, allez, top mon sac. Et après? Vous avez saisi mon point de vue. Oh oui, et vous le mien. On y va? Tout le monde au centre? Allez, on se regroupe. Voilà, j'ai fini, tout est éteint. T'as prévu quelque chose? Tu veux sortir avec mes copains et moi? Oh, je crois que je vais rester ici pour lire, tranquillement. Tu lis quoi? Les Hauts de Hurlevent.
Tu l'as lu une centaine de fois. Et à chaque lecture, c'est meilleur. Bon, rentre pas trop tard. Oh, et si t'as des questions sur le hockey, t'as qu'à me les poser à moi. Surtout, mais c'est pas... On y va, les gars. Ouais. Des questions? Nora? Qu'est-ce qui s'est passé à Albuquerque? Plus tard. Plus tard, d'accord? On va les écraser sur la glace, ok? Ouais! Dans le respect, d'accord? Oui, parce que le hockey a une longue histoire. En fait, au XIVe siècle, en Écosse, un certain... Pas sérieuse, là? Je pense qu'ils ont besoin d'un peu de contexte historique, je veux dire. C'est pas parce que Noah est avant-centre et Jesse est lié droit et qu'ils s'efforcent tous les deux de se projeter en zone d'attaque qu'ils doivent se comporter comme des barbares. Oh, quelqu'un a lu un livre sur le hockey. Je vois pas ce qui vous fait dire ça. L'autre jour, vous connaissiez pas le gardien. Je voulais rester modeste. Écoutez, je trouve ça mignon, mais occupez-vous des livres et laissez-moi gérer les choses importantes. Gagner, par exemple. Gagner n'est pas la seule chose qui compte. Oh, que si. Le hockey est un sport de compétition. S'il y avait pas de gagnant, il y aurait que des gens qui tapent sur un bout de caoutchouc avec un bâton. Vous saviez que les premières rondelles de compétition étaient faites en bois? Arrêtez. Essayez de... On est la même page! Regardez bien le filet! Gardez l'esprit sportif! Après les gars, dépêchez-vous, plus vite que ça! Reste sur lui, joue la rondelle, pas le bonhomme! Ça n'a aucun sens! C'est la règle d'or de la défense. Nous voulons la rondelle! Ouais, ça oui. C'est pas vrai, vous ne pouvez pas siffler une faute pour ça. Qu'est-ce qui s'est passé? On a une faute, c'est du grand n'importe quoi. Et l'arbitre? Vous ne pouvez pas faire ça. Vous ne devriez pas. C'est moi mon équipe. C'est mon équipe, je m'en occupe. Vous occupez de quoi? Vous savez même pas ce qui se passe. C'est pas la question. Et l'arbitre? Arbitre, laissez-le jouer quoi. Non. Vous l'avez trouvé où votre sifflet? Dans une boîte de céréales? Vous ne devriez pas lui parler comme ça, c'est lui qui décide. Ce n'est pas exactement ce à quoi je pensais. Cléborne a encore des problèmes, la libraire perd les pédales. Regardez ça, c'est vrai que j'ai l'air folle. Et moi alors, il me faut de bons articles, pas ce genre de truc. Relax les enfants, on va améliorer J'espère ça. J'espère bien, parce que ma vie est entre vos mains en ce moment. La mienne aussi. Vous voyez, maintenant, vous avez ça en commun. Cessez le feu. Pour de bon, cette fois. Cessez le feu. Merveilleux, la situation s'améliore déjà. Bon, il nous reste 3 semaines jusqu'à la fête d'anniversaire et il nous faut encore cette idée maîtresse. Et comment est-ce que je m'intègre dans cet événement? Jouer le maître de cérémonie, signer des autographes, embrasser des bébés, tout est possible. Nous allons faire un test pendant la foire de livres à la fin de la semaine. La participation ne va pas nous coûter trop cher. Pas du tout, c'est le comté qui l'organise pour promouvoir la lecture. Oh. Et l'équipe de hockey se charge de tous les frais. Tu as un stand au premier rang. Ah, oh, merci, c'est très gentil. Je t'en prie. Mais pour justifier la présence d'Adam, il faudrait que nous trouvions un thème à cette soirée. On pourrait apporter un tas de livres sur le hockey? Excellente idée. Marie, tu connais de bons livres sur le hockey? Oui, Marie. On t'écoute. Papa et toi, vous avez tenu la boutique sans souci pendant presque 40 ans et nous, en moins d'un an, nous avons des problèmes. Tu t'inquiètes trop, ma chérie. Il le faut. Je ne vois pas comment gérer et le magasin et cet Adam en même temps. Tyler dit qu'il est vraiment sympathique. Ça non. Il est irresponsable, il est immature et grossier. Pourquoi est-ce que tu souris comme ça? Non. Shakespeare. Je me rappelle une citation. La dame fait trop de protestations. Non. Non. Non? Non. Pas le moins du monde. Excusez-moi. Bonjour. Qu'est-ce que c'est? Quoi? C'est un camion? Je sais que c'est un camion. Mais pourquoi il est devant ma librairie avec mon enseigne? Ah, vous devez être Marie. Adam disait que vous pourriez être un peu énervée. Quoi? Écoutez, je n'ai pas les moyens de payer ce que ça coûte. Oh, Adam s'en est occupé. Ouais, vous ouvrez bientôt, parce qu'il y a 3 personnes qui attendent d'acheter un livre pour avoir leur café offert. Désolée pour l'attente. Merci de m'aider à la préparation de la foire du livre. Je suis suspendu, vous vous rappelez? J'avais rien de mieux à faire ce soir. Et merci pour les cafés gratuits.
C'était très sympa et nous avons vendu beaucoup de livres. Vraiment? Oui, c'était une bonne idée. Et peut-être même l'idée du siècle. N'exagérez pas. Vous savez, si l'équipe me prend pas, je peux toujours vous aider à gérer ce magasin. Qu'est-ce que vous ferez quand vous ne jouerez plus au hockey? J'en sais rien. J'y ai jamais pensé. Comment pouvez-vous ne pas penser à l'avenir, ne pas faire de plan? Je suis plutôt du genre à vivre dans l'instant. Mais si vous n'avez pas de plan, c'est comme si vous n'alliez nulle part. Certaines des plus grandes découvertes du monde ont été faites par des gens qui n'allaient nulle part. Vraiment? Citez-moi une. Les pépites de chocolat. Quoi? Une pâtissière essayait de faire des biscuits au chocolat sans avoir les bons ingrédients. Alors elle a mis des morceaux de chocolat dans la pâte en pensant qu'ils se mélangeraient. Mais non, et c'est devenu le biscuit aux pépites de chocolat. Ça peut pas être vrai. Si, c'est vrai. J'en aurais sûrement entendu parler. Ah. Ruth Wakefield dans sa cuisine, 1938. Eh ben ça alors? Comment vous saviez ça? Je lis des choses, autre chose que la page des sports. Quel est votre livre préféré? Je sais pas. Comment ça, vous ne savez pas? Personne me l'a jamais demandé. Mais il y a sûrement un livre qui vous a impressionné à un moment ou un autre. Les aventures de Tom Sawyer. Vraiment? Je l'ai lu quand j'étais gamin. Je n'y ai jamais repensé depuis. Qu'est-ce qui vous avait plu? Tom et Huckleberry Finn partaient en exploration et s'attiraient des ennuis. En fait, j'ai toujours aimé ces histoires. C'est un grand roman. C'est aussi un de mes préférés. Quoique les gens du club de lecture disent que j'ai trop de livres préférés. Ça ne me surprend pas. La prochaine fois, nous lisons La guerre des mondes. Ils ont tiré un bouquin du film avec Tom Cruise? Je blague. Tenez, le voici. Si ça vous dit de vous joindre à nous. Vous voulez savoir ce que je pense d'un livre? Je veux savoir ce que tout le monde pense d'un livre. Je sais pas si j'aurai le temps. D'accord. Il me reste 2 chapitres de ce guide de patchwork et je veux savoir comment ça se termine. Et du coup, j'en ai pris 2. Je vais en offrir un à mon frère. Adam, séance photo. Ça peut pas attendre, je suis en train de parler avec mes fans. Adam, n'oubliez pas l'objectif. Désolé les filles, le devoir m'appelle. Merci, merci beaucoup. Très bien. Oui, c'est tout. Quoi? Ce sont des fans? Je vous en prie, des fans. Ce sont des groupies. Pourquoi? Parce qu'elles sont mignonnes? Les jolies femmes ne peuvent pas aimer le hockey? Je pense juste que vous ne feriez pas attention à elles si elles n'étaient pas si jolies. C'est pas vrai, tous ceux qui aiment le hockey sont égaux à mes yeux. Vous croyez vraiment ce qui sort de votre bouche? Oh. Je suis désolée, sincèrement. Je sais pas ce qui se passe, mais il est très énervant et j'ai l'impression qu'il sait exactement comment me faire enrager. Ce n'est pas si grave. Tant mieux. Oh, ne te méprends pas. C'est pas bon. Je peux voir cet article? Je préfère que tu ne le lises pas. Juste le gros titre. C'est du style Marie et Adam recommencent. Eh bien, tu dois parler avec lui. C'est fait. Et? Et maintenant, je parle avec toi. Moi? Oui, toi. Nous allons réessayer dès demain lors d'un autre événement que j'ai organisé pour vous. Et j'ai établi quelques règles de base. Que vous suivrez tous les deux. Mais il est clair. Que vous suivrez tous les deux. Bon, alors, pourquoi sommes-nous ici aujourd'hui? Pour donner des livres à la bibliothèque. Et qu'est-ce que nous devons éviter? Les disputes. Ou encore? Penser à voix haute. Et aussi? Faire quoi que ce soit qui pourrait nous faire du tort et par extension à toi aussi. Excellent. Est-ce que vous êtes prêts? On y va. C'est le moment de sourire. Ouais. Mécanique auto? Ça vous pose un problème? Eh bien, c'est pas exactement de la littérature. Qu'est-ce que vous êtes snob? Je ne suis pas snob. Vous vous croyez plus intelligente et meilleure que tout le monde parce que vous lisez tout? Vous me taxez de snobisme simplement parce que j'aime la lecture, c'est un préjugé. Et vous, vous êtes persuadée que les gens qui jouent au hockey sont fous et incontrôlables? Non, je ne le pense pas de tous ceux qui jouent au hockey. C'est vous qui êtes sans arrêt expulsé des matchs.
pourquoi vous vous bagarrez autant d'abord? Je ne m'amuse pas à me disputer au hasard avec tout le monde. Quoi alors? C'est lui qui a commencé, c'est votre défense? On peut dire ça, oui. Vous savez cette histoire avec l'arbitre l'autre fois? Un joueur de l'autre équipe a chargé un de mes gars contre la bande. Contre la bande? Poussé violemment contre un mur. Exact. L'arbitre ne l'a pas vu. Je suis allé lui dire et les choses se sont envenimées. Alors vous défendiez un de vos coéquipiers? Ouais, peu importe ce qu'on me fait, je m'en fiche, je peux le supporter. Mais pas question de s'en prendre à mes gars ou aux gens que j'aime. C'est plutôt bien. Eh ben, j'ai pas juste des défauts. Mais vous avez raison sur un point. Ah oui, lequel? Bah, je suis parfois sur la défensive avec les gens vraiment intelligents. Je suis pas si futée. Oh, je ne parlais pas de vous. Salut, Adam. Bonjour, Madame Campbell. Noah, c'est chouette de te voir ici. Je viens avec maman toutes les semaines. C'est merveilleux. Et au fait, elle pense que c'est de votre faute si on a perdu la compétition. Elle a probablement raison. Souviens-toi bien, Noah. Gagner n'est pas tout ce qui compte. Adam dit que c'est ce qu'il y a de mieux. Ah oui? Je ne me souviens pas l'avoir dit avec ces mots. Vous avez dit que les perdants sont... Ok, Noah, c'est sympa de t'avoir vu. Dis à ta mère que je ferai attention à mon langage. Les mômes m'adorent. Les parents... Débrouille-toi pour qu'ils retirent ça. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas en couple. Ce n'est pas ce qui est écrit. Ils posent une question, ce qui leur permet de raconter n'importe quoi. Oui, mais ça me gêne beaucoup que les gens pensent ça de nous. Plutôt, de moi. L'important, c'est qu'ils pensent à toi. Elle a raison. C'est vrai, regarde un peu tous ces clients. On a eu plus de monde dans le magasin aujourd'hui que pendant tout le mois dernier. Oui, mais la plupart d'entre eux n'achètent rien. Ils veulent juste savoir si nous sortons ensemble. Et aussi, quelle est sa couleur préférée, qui est le vert. D'ailleurs, pourquoi je le sais? Marie, tu dois faire confiance à notre plan. Le plan? Je cherche une autre bonne occasion pour vous deux, mais nous devons d'abord mettre au point cet anniversaire, c'est notre objectif, et c'est ce qui va vraiment changer les choses. D'accord. Bon, je dois y aller, je te rappelle. Merci, Janet. Je suis très fier de toi, tu sais. De moi? Pourquoi? Tu essayes de nouvelles choses, tu t'ouvres à de nouvelles idées. Tu te réjouis de la possibilité de ce qui pourrait... Qu'est-ce que tu veux? Je veux enregistrer le club de lecture de ce soir pour un podcast. Non. Non, tu sais que je n'aime pas parler quand il y a beaucoup de monde. Mais ils vont pas te voir. Et en plus, j'effacerai les parties où tu fais honte à notre famille et où tu provoques la ruine de notre librairie. Salut. J'ai eu ton message. Qu'est-ce qui se passe? T'as eu des nouvelles d'Adam? Il intervenait à la bibliothèque aujourd'hui et je m'attendais à une catastrophe quelconque. Non, ça s'est très bien passé. En fait, tu as vu ça? Ouais. D'accord, je peux faire avec. Non. Oh. Tant mieux. Ça te dérange pas? Pourquoi ça me dérangerait? Bah parce qu'Adam et toi, vous... J'ai rompu avec lui. Ok. Si ça me dérange, c'est ridicule. Bonsoir à tous. Et bienvenue au club de lecture de notre librairie. Nous enregistrons un podcast aujourd'hui, alors si vous voulez parler, utilisez le micro, d'accord? Parfait. Marie, c'est à toi. D'accord. De quel livre parlons-nous cette semaine? Oh, de la guerre des mondes de H.G. Wells. Désolé, je suis en retard. Oh, merci. Marie, tu nous disais? Oui. La guerre des mondes de H.G. Wells est souvent associée à la pièce radiophonique réalisée en 1938 par Orson Welles. Ah ouais, et aussi... Oh, attendez, dites votre nom. Adam Claiborne. T'es royal de Denver. J'allais mentionner le film avec Tom Cruise. J'adore ce film. Ah ouais? Adam, qu'est-ce que vous pensez du livre? Je l'ai trouvé génial. Bien, bien, mais dites-nous ce que vous pensez des thèmes de ce roman, ce que l'auteur voulait exprimer. Ah, les invasions extraterrestres sont mauvaises. Oui, c'est une bonne remarque. Et les problèmes posés par le colonialisme, je veux dire, l'Empire britannique étendait son emprise à cette époque. Ouais, mais parfois un alien est juste un alien. Parfois un alien est le roi d'Angleterre. On ne devrait pas commenter la thématique sous-jacente des romans? Non, je ne dis pas ça, mais il faut pas non plus aller chercher trop loin.
Cette histoire parle de deux adversaires dans une bataille pour la Terre, comme un match de hockey intergalactique. Mais il s'agit d'une bataille pour la survie de la race humaine. Ces extraterrestres utilisent des rayons ardents pour décimer des villes entières. Vous voyez, j'ai lu plusieurs livres sur le hockey et franchement, je ne vois rien d'équivalent. Vous n'avez jamais pris une rondelle dans la figure? Non. Bien joué, mais je crois qu'il faut creuser un peu plus. Ça ne va pas plus loin que la volonté basique de survivre. Alors vous parlez d'une réaction humaine basique face au stress. Et vous, vous évoquez le combat ou la fuite? Exactement. Finalement, tout l'enjeu revient à un combat. Mais ça limite le projet littéraire. Vous n'avez toujours pas compris ce que je voulais dire. Adam, laissez tomber. Ouais, d'accord. Mais la semaine prochaine, pour Dracula, je ne céderai pas. Parce que vous avez cédé ce soir. Comparé à ma façon habituelle de ne pas être d'accord. C'est bien. J'ai trouvé ça génial. Et Marie, tu parles jamais autant pendant le club de lecture. Eh bien. Vous êtes parfaits tous les deux. Oh, Tyler, on va être en retard. J'allais vous demander si vous vouliez aller manger quelque part. Oh, c'est le repas hebdomadaire chez nos parents. Vous êtes le bienvenu. Je veux pas vous déranger. Ouais, c'est simplement nous quatre, en famille. Ils seront ravis. Papa est un fan de hockey et maman fait toujours trop à manger. C'est parfait. Venez. Sérieusement, nos deux débatteurs étaient parfaits. Vous allez adorer le podcast. C'est formidable que vous vous lanciez dans de nouvelles choses. Tu ne trouves pas, Paul? Je sais pas. Les bonnes vieilles méthodes ont du bon. Peut-être qu'il y a de la place pour les deux. Je pensais aussi que nous pourrions peut-être ajouter une sorte de comptoir pour les boissons où les gens pourraient trouver de l'eau ou du café. Ça me paraît excellent. Ouais, c'est absolument parfait. Je suis ouverte aux nouvelles idées. C'est vrai. Bien sûr. Vous êtes bien silencieux, Adam. Je profite du moment. J'ai l'impression de voir une très bonne pièce. Les repas en famille étaient différents quand vous étiez enfant. Non, j'ai grandi dans des foyers d'accueil, alors j'ai été trimballé d'un endroit à l'autre. Oh, je savais pas. Bon, c'était pas si grave. Une des familles était passionnée de hockey, alors en fin de compte, c'était une bonne chose. C'est merveilleux. Ah. Permettez-moi de vous dire que vous pouvez être fier de votre parcours. Il y a autre chose dont je pourrais être très fier. C'est d'avoir la permission de reprendre les pommes de terre. Ne vous gênez pas. Merci. Alors, comment ça va avec l'équipe? J'en fais toujours partie, alors je prends ça comme une victoire. Ouais. Et travailler avec ma sœur? C'est génial. Aucun problème. C'est bon, Adam. Je l'adore, mais c'est parfois frustrant d'être en face de quelqu'un qui trouve toujours un livre pour prouver qu'elle a raison. Et que vous avez tort. Ouais, mais ça vient d'où cet amour des bouquins? J'en sais rien. Demandez à papa. Il y a une photo d'elle dans son berceau avec les quatre filles du docteur Marsh. Alors elle a commencé tôt. Ouais, c'est la personne la plus intelligente que je connais. Sauf quand il s'agit de relations humaines. Autrement dit? Personne n'était à la hauteur des héros de ces romans. Tu l'as invité à manger chez tes parents? C'est Tyler qui l'a invité. Mais ça s'est plutôt bien passé. Venant de toi, c'est un beau compliment. Tu commences à l'apprécier. Certainement pas. Enfin, pas de la façon dont le suggère la presse locale, en tout cas. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Vous passez vraiment beaucoup de temps ensemble. On se rend fous mutuellement. Certains appellent ça de la passion. Et il ferait mieux de se taire parce qu'ils ont tort. Je trouve que ça fonctionne bien entre vous. Et je ne parle pas juste en termes de relations publiques. Janet, tout ce que nous faisons, c'est pour sauver la librairie. D'accord? Les ventes grimpent, mais c'est encore loin de ce qu'il nous faut. Patience. Fais-moi confiance. Le processus est bien rodé. Tout va bien se passer. Très bien. D'accord? Joli boulot, Noah. Top là. Encore un peu de pratique et tu pourras jouer chez les grands. C'est incroyable qu'on puisse s'entraîner ici aujourd'hui. J'ai dit à maman que je vais être un joueur de hockey comme vous. Ah ouais? Qu'est-ce qu'elle a dit? Rien du tout. Elle a fermé les yeux et mis les mains sur son visage. Je vois. Et ton père, il en dit quoi? Il est parti en Californie. Eh ben, je trouve ça super que tu veuilles devenir joueur de hockey. Mais tu devrais peut-être dire à ta mère que tu veux être comme Wayne Gretzky. C'est qui, Wayne Gretzky?
Mais pourquoi vous faites tout ça? C'est qui Wayne Gretzky? Merci pour ton coup de main. Pas de problème. Mais où ils étaient tous passés? Les photographes, Marie? C'est pas officiel. Ils sont plutôt chouettes, ces enfants. J'aime aider, alors je fais un peu d'entraînement supplémentaire. Alors ça, c'est vraiment... Adulte de ma part. Ça peut m'arriver de temps en temps. On a besoin de toi dans l'équipe. Je n'y arrive pas vraiment depuis que t'es parti. Vous avez gagné 3 des 5 derniers matchs. On aurait dû gagner les 5. Il y a un gros match à l'extérieur demain. J'aimerais que tu y sois avec nous. Je dois encore terminer ma pénitence. Est-ce que ça s'arrange avec Marie? Elle n'est pas si insupportable, dans le fond. Je te connais, ça veut dire qu'elle te plaît. Pas du tout. Et si je t'écoute bien, c'est exactement la fille qu'il te faut. La personne qui te tient tête. Je suis pas sûr de ce qu'il me faut. Mais même si c'était vrai, elle m'a fait clairement comprendre qu'elle ne voulait ni de moi, ni de mon monde. Tu lui as montré ton monde? Sarah, merci beaucoup de nous avoir invités à regarder le match. Oh, je n'aime pas rester seule à la maison. Ça me rend tellement nerveuse de les regarder jouer à l'extérieur. Ah ! Qu'est-ce qui s'est passé ? Notre équipe vient de marquer. Ah. Qu'est-ce qu'on dit quand les autres marquent ? Bouh ! C'est ça. Ils devraient agrandir la rondelle pour qu'on puisse mieux la voir à la télé. C'est une excellente idée. Je transmettrai vos suggestions à la Ligue. Allez, mon grand, c'est l'heure du bain. Non. Si, tu regarderas la suite du match plus tard, d'accord? Sinon, le grappin va t'attraper. Viens me voir, toi. Allez, viens. Vous voulez quelque chose? Non, tout va bien. Enfin, pour moi. Et vous, oui? Ça va, oui. Ok, je reviens tout de suite. Merci d'être venu aujourd'hui. Je sais que le hockey, c'est pas votre tasse de thé. Sarah et Graham sont adorables. Et pour le hockey, je commence à m'y faire. Attention, bientôt vous serez aussi accro que moi. Ça vous manque réellement, n'est-ce pas? Ouais, vraiment. C'est toute ma vie. C'est idiot, non? Si c'est toute votre vie, alors vous faire envoyer de l'équipe n'est probablement pas la meilleure chose à faire. C'est pas faux. Je suppose qu'il y a une leçon à tirer de tout ça. Par exemple? Je peux vous répondre plus tard. Eh bien, moi, j'ai encore du travail pour saisir toutes les règles de ce jeu. Ben, la meilleure façon d'apprendre, c'est de pratiquer. Ce n'est pas ce que j'avais en tête. Ah, c'est vous qui avez parlé d'être ouverte aux idées nouvelles. Ah. Ah, c'est vrai. Voilà, c'est bien. Oh, merci. De rien. Il va falloir travailler votre technique d'arrêt, mais c'est pas mal. Je viens de patiner 3 mètres. Je crois qu'il est un peu tôt pour pas mal. Et si je tombe souvent? Vous portez assez de protection pour amortir une chute de 20 étages. Et puis peu importe combien de fois vous tombez, ce qui compte c'est combien de fois vous vous relevez. Je croirais entendre parler mon père. Ouais, parce qu'il est génial. Bon, passons à la façon dont vous tenez ce bâton. Oui. Mettez votre main droite en haut du manche, comme ça. Ouais, amenez-le devant vous. Voilà, très bien, ouais. Et la main gauche vers le milieu. Parfait, placez-vous à angle droit de la rondelle. Elle devrait se trouver à 9h. Avancez-vous un peu. Ouais, ouais, allez-y. Encore un peu, bien à angle droit. Maintenant, ramenez le bâton en arrière, pas trop loin. Et pour bien réussir votre coup, assurez-vous de toucher la glace avant de frapper la rondelle. Avant ? Ouais, pour profiter de toute la puissance de votre frappe. Essayez. Ok. Avant ? Avant. Je l'ai touché! J'ai réussi à tirer! Beau travail! Maintenant, frappez vers le filet qui se trouve par là. Est-ce que je peux d'abord savourer cette victoire? D'accord. Wouh! Oh.
Tout va bien? Oui, ça va. Et voilà. J'ai une idée sympa pour l'anniversaire. Que dirais-tu de diffuser un podcast en direct? En direct? Tu veux dire devant des gens? On débat en public depuis qu'on a commencé. Oui, devant une dizaine de personnes. Il y en aura bien plus ce jour-là. Tu t'en sortiras parfaitement. Oh, et je suis tombée là-dessus. Je veux que vous y participiez. Une course de caisses à savon? Mm-hmm. Je vois pas en quoi décorer une boîte et se laisser glisser en bas d'une colline va assurer notre promotion. Tu prouveras que t'es un membre actif de cette ville. Ça a l'air dangereux. Ça m'a l'air très marrant. Dit celui qui court avec des chaussures en métal coupant pour aller emboutir ses adversaires. Vraiment? Et encore plus. Vous voyez le hockey comme ça, même après avoir patiné avec moi? Comment ça, patiner avec vous? Ça n'a rien à voir. Oh, vous êtes né pour ça. Je suis sûr que vous cachez un talent inné pour la glissade. Il serait vraiment bien caché. Vous êtes impossible. Vous êtes intraitable. Ça ne devrait pas être aussi difficile de trouver un thème. Ça doit absolument être génial. Il faut qu'on gagne. Vous êtes obsédé par la victoire. Je vous en prie, vous avez un esprit de compétition super développé. Je n'aime pas la compétition. En tout cas, pas pour gagner. En fait, je crois que j'aime simplement être... La personne la plus intelligente. Est-ce que vous me traitez encore de snob? Non, vous devez souvent être la personne la plus intelligente. C'est pas d'être snob de vouloir avoir raison. Sauf que parfois, vouloir avoir raison, ça peut nous coûter la sympathie des gens. Je connais bien ça, les gens pas sympathiques. Oh, je vous en prie. Vous êtes entouré de fans, vous avez des amis, des relations... Rien qui dure bien. Jamais longtemps. Vous ne semblez pas être le genre d'homme qui va se ranger du jour au lendemain. Je sais pas, si jamais je rencontrais la bonne personne. Ah oui... L'insaisissable bonne personne. Vous avez pas trouvé la vôtre non plus? Avez-vous déjà lu un livre tellement prenant que vous n'aviez pas du tout envie qu'il se termine? C'est surtout que je n'ai jamais rencontré personne qui me fasse sentir la même chose. Il n'y a pas de mal à attendre que le bon livre se présente. En tout cas, c'est ce que je pense. Ouais, mais... Vous recevez beaucoup de coups sur la tête, alors est-ce qu'on peut se fier à votre avis? Alors, Miss Compétition, qu'est-ce que nous allons faire pour sortir victorieux de cette aventure? Aventure? Tom Sawyer, un radeau! Ces luges sont incroyables! Et la vôtre est fantastique. Tada! La glace a l'air bien dure sur cette pente. Ouais. Marie, t'es sûre que tu veux te lancer? Je préfère ne pas y penser. C'est une boîte en carton sur une colline enneigée. Je pense que nous survivrons à une chute. Et sur cette note optimiste, je m'en vais voir votre photographe. D'accord. On n'est pas obligé si vous avez peur. J'ai pas peur. Si, quand même un peu. Pensez à autre chose. Parlez-moi de votre avenir. Génial. Je veux que la librairie ait du succès, évidemment, et je veux voyager. Vous voyez, je voudrais aller à Paris ou à Bali ou... J'aime les matchs à l'extérieur. J'ai du mal à rester au même endroit trop longtemps. C'est ce qui vous a fait si souvent changer d'équipe? Ça, et les dirigeants de ces équipes qui préféraient que j'aille voir ailleurs. Ah. Vous savez, l'œuf et la poule. Très juste. Ouais. Mais peut-être que vous ne faisiez simplement que les quitter... Avant qu'il vous quitte. Peut-être bien. Alors, il y a quoi d'autre dans vos rêves? Un mariage? Des enfants? Une petite maison? Quelque chose de ce genre, oui. Et vous? Parfois, je me demande comment ce serait d'avoir un fils. Ou une fille, à qui je pourrais apprendre à patiner. Et construire un cocon rassurant, fonder une famille heureuse. Avec un bon père. Vous seriez un père génial. Vous croyez? Oui. Vous êtes un grand enfant. Vous auriez des compagnons de jeu. Vous voyez, vous étiez presque gentil avec moi. J'ai failli. Et Adam, j'arrive mieux à tirer depuis que vous êtes venu à l'entraînement. C'est super, je suis impatient de voir tes progrès. À l'entraînement? Ah oui, j'ai donné un petit coup de main à l'équipe. Il a donné un gros coup de main à l'équipe. Je crois qu'on va gagner le prochain match. Elle est cool, cette luge. Merci, Noah. Où est la tienne? Oh, je cours pas cette année. Maman n'a pas eu le temps d'en faire une. Tu sais, Noah, Marie, tu sais, elle a peur. Peur de descendre cette piste. C'est très glissant. Alors,
Peut-être que tu pourrais venir avec nous pour que Marie soit rassurée. Ouais. Vraiment ? Et ça serait formidable ! Tu as ton casque au moins. On est prêt ? Oh ouais ! Ils sont très rapides. Ils vont même très vite. Oh oh, regardez-les. Oh, d'accord. Allez. Oh 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 oh. Tout le monde va bien? Ouais, pas de soucis. Je vais recommencer. Moi aussi. Allez, le dernier. D'accord. Je me suis bien amusée, merci. C'était marrant, oui. Et Noah aussi, c'était vraiment gentil de votre part. J'étais content. Je sais ce que c'est de ne pas pouvoir vivre avec son père. Bon, bah, je vais appeler un taxi. Bonne nuit. Je te dépose. Qu'est-ce que tu fais ici? Je te cherchais. Qu'est-ce que j'ai encore fait? Je t'ai pas vu sur la glace ces derniers jours. Même si tu es suspendu, tu devrais continuer à t'entraîner. Je sais, écoute, j'étais pris par la campagne de com pour reconstruire mon image. Ouais, Janet m'a envoyé les photos de la glissade en caisse à savon. Tu sais que tu devrais pas faire ce genre de choses. Si tu te blesses, ça pourrait... Arrête, y a des choses beaucoup plus dangereuses qu'une glissade dans une boîte en carton. C'est pas une raison. Mais bon, tout le monde avait l'air de s'amuser. Ouais, tu peux le dire. Ça t'ennuie quand même pas, non? Mais non, bien sûr que non. Voyons, Erika, je fais vraiment des efforts. Je sais. Je sais. Je te félicite. Tu prends ça au sérieux et ça te va plutôt bien. Ouais, bah je trouve ça bizarre. Je me demande si les choses auraient pu se passer autrement entre nous. Quoi, si j'avais pris notre histoire plus au sérieux à l'époque? Et si moi, je l'avais prise moins au sérieux? Donc, est-ce que ça aurait marché entre nous si nous avions été deux personnes différentes? On peut le dire comme ça, oui. J'en sais rien. Peut-être. Est-ce que ça mériterait pas qu'on y pense davantage? Je crois pas que ce soit une bonne idée. À cause de Marie? Non. À cause de moi. J'essaye de m'améliorer pour un tas de raisons. Entre autres pour que ma patronne ne me vire pas. Je pense que sortir avec elle serait une excellente façon de gâcher tout ça. T'as probablement raison. Ouais. Sans rancune? Sans rancune. Un petit génie. Je vous crois, puisque c'est vous qui le dites. Regardez les bonnes retombées presse que vous avez. Le public commence à vous aimer. Marie, tu commences pas à l'aimer, toi? Quoi? Non. Qu'est-ce que tu veux dire? Nous voulions améliorer l'image d'Adam, augmenter votre chiffre d'affaires, et nous sommes en train de gagner sur les deux tableaux. Même Erika commence à changer d'avis. La suspension va peut-être être annulée. C'est fantastique. Marie, c'est pas fantastique? Hein? Oui. Quoi? Non. C'est pas super qu'Adam retrouve son travail? Oh. Oui, c'est... Oui, c'est excellent, c'est vraiment bien. Hé, hey, qu'est-ce que t'as aujourd'hui? Écoute, je suis bien contente que tout s'arrange au mieux pour Adam, sincèrement. Mais il y a encore du chemin à faire pour la librairie. Les affaires reprennent, non? Oui, c'est vrai, mais... Pas suffisamment.
Et c'est bien pour ça que nous faisons une si grande fête samedi, pour le 40e anniversaire. Il y aura donc le podcast en direct, des jeux, le buffet. Il nous manque encore l'idée maîtresse, mais je pense que ça va être un énorme succès. Mais ça ne t'inquiète pas que ce soit ponctuel. Je veux dire, on va peut-être vendre une tonne de livres ce jour-là, mais comment faire pour que ça dure? Nous ne cherchons pas de retombées uniquement en termes de vente. Nous voulons élargir votre clientèle. Inscription à la lettre d'information, au podcast, sur les réseaux sociaux. Hashtag LMP 40e. La même page 40e. Et je trouve que c'est très bien. C'est génial, mais... Mais quoi? J'ai veillé tard hier soir parce que je n'arrivais pas à dormir. Alors j'ai vérifié les comptes et si cet événement ne fonctionne pas, si ce n'est pas un succès retentissant, nous devrons fermer la librairie. Pourquoi vous ne m'avez pas dit que c'était si catastrophique ? Vous aviez vos problèmes, je voulais pas vous ennuyer. Ça ne m'ennuie pas du tout. Enfin, vous auriez pu me le dire, non? Cette situation me gêne. Oh, ben voyons. Je vous ai vu vous lancer à fond sur une piste glacée. Cette personne-là n'avait pas l'air gênée. Ouais, mais cette personne-là est aussi insaisissable. Elle n'est pas toujours là quand on a besoin d'elle. On va trouver une solution. Notre mission numéro un est de nous assurer que cette fête d'anniversaire fasse un gros carton. Ouais, mais votre retour dans l'équipe? Ça va, je suis pas trop inquiet. Erika se calme un peu. Ouais? Vous arrivez à vous entendre? Comme si, comme ça. Disons juste que j'ai plus besoin de vérifier si elle est armée chaque fois qu'on se rencontre. Vous vérifiez mes mains? Sans arrêt. J'ai un peu peur de votre agrafeuse. Vous avez raison. Elle n'a pas de grande sécurité. Si je vous emmenais au restaurant ce soir, on essaiera de trouver la grande idée de mettre au point ce podcast en direct. Ça vous fiche toujours le trac? Oh, de prendre le micro devant des dizaines d'étrangers pour parler? Non. Pourquoi j'aurais le trac? La seule chose qui pourra rendre ça un peu supportable, c'est de savoir que Tyler et vous serez sur le podium avec moi. Je vous promets que nous allons trouver une idée brillante. On va manger? Ouais, ça me ferait vraiment... Oui, avec plaisir. Excellent. Tu l'as invitée au resto? Je croyais qu'elle te plaisait pas. Elle ne me plaît pas. Non, elle me rend cinglé. Allez, c'est reparti. Quoi? C'est pire que si tu disais « elle est pas si mal » et je t'ai déjà entendu prononcer exactement ces mots-là, et plus d'une fois. En général, ce qui suit est une relation totalement malsaine avec quelqu'un qui n'est définitivement pas pour toi. Et ça finit dans des cris et des larmes, des torrents de larmes. C'est pas vrai. Victoria, Daniel... D'accord, peut-être que j'ai changé. Tu me dis toujours qu'il faut que je mûrisse. Ça se passe pas du jour au lendemain, à moins qu'elle ne soit ton âme sœur et qu'elle ait accompli un miracle sur toi. C'est ce qui s'est passé. C'est juste un resto. On va discuter du 40e anniversaire. C'est totalement innocent. Bah, j'ai déjà entendu ces mots-là aussi. Erika. Non, Erika, c'était différent. Non, Erika est juste derrière toi. Adam, est-ce que je pourrais te voir dans mon bureau? Maintenant? J'ai un rendez-vous en ville. Maintenant, c'est important. Très bien. Je passe un coup de fil, je me change et j'arrive. Je suis sûr que tout va bien. Allô? Bonsoir Marie, c'est Adam. Oh, bonsoir, vous êtes en route? Non. Erika vient juste de me convoquer dans son bureau. Erika? Tout va bien? Je le sais pas encore, mais j'ai aucune idée du temps que ça va prendre, alors je voulais pas vous faire attendre. Oh, d'accord, eh bien, ne vous inquiétez pas, nous pourrons nous retrouver un autre soir. Non, pas besoin d'annuler. Attends, c'est pas grave, tout va bien. Bon, ok. Je suis vraiment désolé. On se parle demain? Bien sûr. Au revoir. Bonsoir. Qui arrive? Je voulais évoquer avec toi ton retour dans l'équipe. Vraiment? Vraiment. Erika, c'est merveilleux, c'est fantastique, merci. Oui, ne te réjouis pas trop vite. Il y a quelques conditions. Je t'écoute. C'est une période probatoire. Un seul faux pas et tu devras rester au vestiaire comme prévu. Compris. Je resterai sur le droit chemin. Marché conclu. Il y a autre chose. Nous organisons une soirée pour les abonnés VIP.
La presse sera présente. Et mon père aussi. Il faudra que tu t'adresses à tous ces gens importants et que tu présentes tes excuses pour ta conduite. Facile. Désolé, je suis un idiot. C'est fait. Adam, tu dois prendre ça très au sérieux. Tu dois faire amende honorable. Et ensuite, tu pourras revenir dans l'équipe. Je peux faire ça. Je vais prendre ça au sérieux, je te le promets. Ça se passe quand? C'est samedi. Quoi? Ce samedi? Mm-hmm. Attends, je peux pas. C'est la soirée d'anniversaire de la librairie. Eh bien, tu n'y seras pas. Mais non, j'anime les enchères, je signe des autographes. Ah, j'ai un podcast en direct avec Marie. Adam, qu'est-ce qui est plus important pour toi? Cette librairie ou bien ta carrière? Je compte sur toi samedi. Très impatient de participer à cette soirée samedi. Oui. Ça va être épatant pour relancer notre belle librairie. Mmh, oui, ça, je l'espère bien, oui. Ah. D'accord. Dis-moi ce qu'il y a. Pourquoi? Tu n'as pas prononcé plus de 10 mots. D'habitude, tu en dis le double avant même d'avoir passé la porte. Oui, c'est vrai, tu as raison. Je suis assez préoccupée, mais... tout va bien. Ok, Tyler, vas-y, parle. Non, pas besoin de me mêler à tout ça. Hé, c'est une réunion de famille. Tu y es mêlé depuis la minute où tu es né. Ce qui est sûr, c'est que cette soirée représente un gros risque pour nous. Si ça ne marche pas, nous devrons fermer la librairie. Oh, ma chérie. Marie, enfin, c'est pas ta faute. En fait, c'était déjà difficile quand nous avons pris notre retraite. Nous avons même envisagé la fermeture pour t'éviter d'avoir à assumer cette responsabilité. Chérie, nous savions que ça allait arriver un jour ou l'autre. Pas moi. Reprendre la librairie n'est pas juste une question de responsabilité. C'est notre famille. Non, non. Elle est là, notre famille. Juste ici. Et nous serons encore là, même si la librairie n'existe plus, ma chérie. Alors, vous n'êtes pas fâchée? Comment pourrions-nous être fâchés contre toi? Tu fais tout ce qu'il faut. C'est vrai. Cette aventure n'est pas terminée. Et la fête d'anniversaire peut être une réussite. Adam va te donner un coup de main, n'est-ce pas? Je ne veux pas compter sur lui. Adam, que faites-vous ici? Je cherchais Marie. J'essaye de l'appeler, mais... Ah oui, elle a dû aller à la mairie chercher le permis pour l'événement de demain soir. Eh ben, quand vous la verrez, vous pourrez lui dire que j'ai vraiment besoin de lui parler. Bien sûr. Merci. Adam? Vous en avez fait du chemin, vous savez. Ah bon? Comment ça? Vous avez dû relever pas mal de défis dans votre vie. Vous êtes un bon garçon. Et vous avez une influence très positive sur Marie. Cette librairie, vous savez, c'est ce qu'elle aime le plus au monde. Et ça depuis qu'elle est toute petite. Et parfois, elle oublie même qu'il existe un univers bien différent dehors. Mais ces dernières semaines, elle s'est vraiment amusée en sortant et en prenant des risques. Ouais, mais nous avons fait beaucoup de choses parce que Janet nous a dit de les faire. Et vous n'aviez pas votre mot à dire, hein? Enfin, voyons, Adam... Marie se serait pas jetée dans cette aventure si elle ne l'avait pas voulu. Et elle n'aurait certainement rien fait toute seule. Vous avez marqué des points, vous savez. Que vous l'ayez voulu ou non. Pour marquer des points, vous êtes pas mal non plus. Ouais. Et je n'ai pas besoin d'un casque pour ça. Merci, Paul. C'est bon.
je regardais le match à la télé hier soir. Et j'ai eu l'impression que le numéro 16 n'avait pas assez de contact avec la glace avant de tirer, bien sûr. Dites donc, vous êtes devenue une experte? Je crois que j'apporte une nouvelle perspective académique. Quand un tas de gros gaillards vous fonce dessus, vous avez bien besoin d'une perspective académique? Je dis que ça ne se réduit pas à prendre un bâton et cogner très fort. Vous êtes impossible. Vous êtes intraitable. Alors, pourquoi vous m'avez demandé de venir? Cette patinoire, c'est ma maison. Et elle m'a vraiment manqué, mais... Mais quoi? Dites-moi. Nos dirigeants organisent un grand événement en VIP. Et ils me demandent d'y aller. C'est la condition pour qu'ils acceptent de me reprendre. C'est génial, où est le problème? C'est demain soir. Vous devez y aller. Et l'anniversaire de la librairie? Adam, c'est votre carrière. C'est pour elle que vous avez fait tout ça. Je suis partout sur les publicités, je suis l'attraction numéro un de cet événement. Si je viens pas... Vous êtes tellement indispensable que ça ne peut pas avoir lieu sans vous. Vous, je vous vois venir. Vous voulez me mettre en colère pour que je laisse tomber la fête. Il est hors de question que vous renonciez à la possibilité de réintégrer l'équipe. De revenir à la compétition. C'est le but de tous ces efforts. Et oui, la fête d'anniversaire ne fonctionnera peut-être pas sans vous, mais ça ira. Il est temps que je me décide à réussir ou à échouer par moi-même. Mais je trouve ça injuste. J'ai été suspendu parce que je n'avais pas l'esprit d'équipe. Vous et moi, nous sommes une équipe aussi, non? La meilleure. Mais parfois, avoir un bon esprit d'équipe veut dire savoir quand il faut faire la passe à l'autre. À vous de tirer, Adam. Très loin. Oh oui. Vous entrez votre adresse ici. Ouais, d'accord. Tu es contente? Oh, plus que ça. C'est incroyable. Regarde, il y a des gens absolument partout. Nous avons vendu plus de livres ce soir que pendant les 6 derniers mois. Mais ce qui est encore plus important, c'est que tu élargis ta clientèle. Exact. Entre ta sélection des livres du mois, les partages de photos et les téléchargements de podcasts. Marie, je n'aurais jamais pensé dire ça un jour. Hmm? Tu fais un malheur sur les médias sociaux. Oh. Qu'est-ce que ça veut dire? Fais-moi confiance. C'est très bon. D'accord. Bonsoir, Madame Campbell. Oh, bonsoir, Noah. Où est Adam? Tu sais, il ne va pas pouvoir venir ce soir, je suis désolée. Oh. J'ai une idée. Si je prenais une photo de vous deux pour la lui envoyer, je parie qu'il va adorer. Tu es d'accord? Oui. Très bien. Attention et... sourire. Parfait. Oui, merci beaucoup. Où est-ce que je mets mon vieux livre? Oh, juste devant. Tu recevras un coupon de 20% de rabais que tu pourras donner à ta mère. Génial. Merci. Oui, le pauvre. J'adore ton idée d'échange de livres. Je veux dire, donner un livre à la bibliothèque, recevez un rabais pour un livre neuf, ça, c'est une grande idée. Oh, ce n'est pas ça la grande idée. Adam s'en est chargé. Attendez une seconde. La surprise. Il allait te le dire lui-même ce soir, mais puisqu'il n'est pas là... Oh.
C'est très joli, mais j'y comprends rien. Regarde de l'autre côté. C'est adorable. Alors quoi, il les a fait fabriquer pour la fête d'anniversaire? Non. Il en a commandé 20 000 pour le prochain match des Royals. La même page est le sponsor officiel du cadeau pour les fans. Et il s'est assuré que la librairie soit mentionnée pendant tout le match et la diffusion télé. C'est incroyablement généreux. Mais oui. Je souris toujours, je sens plus mon visage. On sort très bien. Adam, la terreur n'est pas là ce soir. J'espère bien qu'il viendra pas. Je l'espère aussi. J'ai des commentaires très positifs. Mon père a même l'air satisfait. C'est la tête qu'il fait quand il est content. Oui, c'était très perturbant quand je recevais mes bulletins de notes. Tu veux nous laisser, s'il te plaît? D'accord. Merci d'avoir accepté de venir. Tout va bien. Ça fait partie de l'esprit d'équipe. C'est à vous. Bonsoir. Salut. Très impressionnant. On va lancer le club de lecture bientôt. Tu es prête? Je suis nerveuse. Qu'est-ce que je te dis toujours? Tu n'as pas peur et tu te lances. Tu as raison. Ça me tient tant à cœur. Il y a une partie de moi qui s'impatiente, qui veut toujours foncer. Et je sais que je vais y arriver. Je vais animer le débat. Wow. Qui êtes-vous et qu'avez-vous fait de ma sœur? Ah. Je vais te dire qui elle est. C'est une belle personne qui devrait être très fière de ce qu'elle accomplit. Merci. Merci, papa. Oui. Vous savez, je crois que notre librairie pourrait survivre, finalement. Ce n'est pas de la boutique que je parle. J'aimerais vous présenter un de nos meilleurs joueurs. Et certainement un des plus hauts en couleur. Mais il a fait beaucoup d'efforts le mois dernier. Et vous avez pu voir les résultats dans la presse. J'ai personnellement constaté combien son comportement s'était amélioré. Mesdames et messieurs, Adam Claiborne. Merci à tous d'avoir répondu à notre appel pour fêter le 40e anniversaire de la même page. Je suis ravie de vous présenter une des propriétaires, la personne qui a mis tout son cœur à préparer l'événement de ce soir, Marie Campbell. Merci. Merci. Il y a un tas de choses que je regrette. Mon comportement passé, par exemple. Toute l'équipe en a souffert. Sans parler de mon image pour les fans et le public. Je fais de mon mieux pour arranger ça. La même page est là, au cœur de la ville. Depuis 40 ans. J'avoue volontiers que je suis en train de réaliser que de participer à la vie du quartier, faire partie d'une équipe, c'est bien plus que d'assurer simplement une présence. Je suis fier de cette équipe. Et je suis fier d'en faire partie. Pendant un instant, j'ai oublié le sens véritable de l'esprit d'équipe. Je dis toujours que le monde entier se trouve là, dans cette librairie. Et parfois, je crois que j'oublie que le monde entier est un peu plus vaste. Erika a dit qu'elle pensait que je m'étais améliorée. J'espère que c'est vrai. Je le pense sincèrement. Aussi sincèrement que j'aime ce sport. En même temps, je réalise que j'ai d'autres priorités. Donc, pardonnez-moi, mais je vais m'en occuper. Adam! Si tu pars, je ne sais pas si mon père pourra te le pardonner un jour. Mais si je reste, je ne me le pardonnerai pas moi-même. Tu risques de compromettre toute ta carrière. Alors,
J'espère que je pourrai prouver à une autre équipe que je suis bien un homme sur qui on peut compter. Si je n'arrive pas d'abord à te convaincre. Nous reparlerons de ça lundi. Tu vas être en retard. Pour mémoire, c'est toi qui m'as quitté. Merci. Les aventures que j'ai vécues me sont presque toutes arrivées pas très loin d'ici. Elles ne se sont pas toutes bien passées, mais comme une personne très sensible me l'a appris, peu importe combien de fois on tombe, ce qui compte, c'est le nombre de fois où on se relève. C'est dans cet esprit d'aventure que je voudrais lancer le club de lecture de ce soir. Combien d'entre vous ont lu Les aventures de Tom Sawyer? Oh, très bien, ça me fait très plaisir parce que, vous savez, c'est un de mes livres préférés. Vous dites ça de tous les livres. Qu'est-ce que vous faites ici? Je suis juste venu parler d'un bouquin. Mais alors votre retour dans l'équipe est... Il est peut-être temps que je commence à penser à la suite. Parce qu'apparemment, j'ai le don de trouver des idées de marketing vraiment incroyables. Vraiment? Je suis assez doué pour ça. En fait, cette fête est en grande partie mon idée. Et si on parlait simplement du livre? Tout à fait d'accord. Je ne veux pas que cette histoire se termine. Moi non plus.